oser l'incertitude. Les leaders gagnent par leurs décisions et par la vitesse des décisions. Rappelez-vous ceci. Les leaders, leaders vie privée comme professionnelle, les leaders gagnent par la vitesse de leurs décisions et non par leur capacité à être des médiums et des voyants. Médium, voyant, c'est pas du tout un métier sur lequel je suis, c'est pas mon créneau. La vraie capacité de décider, c'est ça pour moi la vraie capacité de réussir sa vie. Lorsque vous essayez de faire quelque chose de nouveau, vous ne disposez pas à 110% des informations dont vous avez besoin. Vous devez composer avec cette donnée qui est injectée dès notre naissance par Dame Nature. C'est un non-sens, je vous l'ai dit, de vouloir contrôler ce qui est incontrôlable. Vous n'aurez pas 110% des informations. Et Elon Musk, qui a raté plusieurs décollages avec ses fusées au début quand il a lancé SpaceX, en connaît un rayon. Et tous les entrepreneurs, alors qu'ils soient décriés ou pas en ce moment, comme c'est son cas d'ailleurs, mais tous les entrepreneurs et tous les leaders, papa, maman, c'est pas, le leadership, c'est pas diriger 6000 personnes, une maman ou un papa seul à la maison avec deux ou trois enfants, c'est un super leader. Mais vous devez composer. Donc rappelez-vous que prendre des décisions, c'est oser aussi accepter l'incertitude, accepter la prise de risque.